Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour le démarrage d'un let's play sur Planet Crafter. Donc, les développeurs m'ont fait suivre une clé du jeu pour pouvoir préparer des vidéos avant la sortie en Early Access. Donc, cette vidéo est censée sortir le jeudi 24 mars à 17h. Cependant, il y a eu des exclus pour des chaînes YouTube internationales et françaises pour qu'elles puissent sortir leur chaîne, enfin leur vidéo pardon, sur leur chaîne aujourd'hui, mercredi, quand je tourne cette nouvelle intro, mercredi 23 mars. Alors, je refais une intro en fait par-dessus mon intro initiale, tout simplement déjà pour corriger quelques erreurs. J'annonce dans l'intro que vous verrez par la suite que c'est un XXL, ce sera finalement un let's play, parce que je pense qu'il y a de quoi faire plus de 6 épisodes sur le jeu. Ça, c'est la première chose. Du coup, la seconde, cette vidéo sortira peut-être aujourd'hui, mercredi 23 mars, tout simplement parce que j'ai demandé l'accord aux développeurs pour la sortir un peu plus tôt, suite à une intro sur une chaîne francophone que vous pourrez retrouver facilement. Il y en a eu qu'un, je vais pas le citer, mais qui dit quelques bêtises dans son intro, à savoir qu'il a récupéré une exclusivité française pour la présentation du démarrage de l'Early Access, donc un jour avant, car il était le premier youtubeur français à avoir fait du contenu sur le jeu, ce qui est faux, vu que le premier youtubeur à avoir fait du contenu FR, en tout cas, et je pense même au niveau mondial, sur le jeu, c'est Bibi, hein, Soma Gaming. Et ça remonte à il y a un an. Voilà, donc ça c'était déjà c'était la seconde chose pourquoi je refais une intro, c'était pour remettre les choses dans leur contexte. Alors, la personne en question est au courant ou est pas au courant, ça c'est pas grave, hein. C'est une chaîne qui est bien plus grosse que la mienne et c'est normal qu'elle ait en exclu française, même s'il y a d'autres chaînes encore plus grosses que la sienne, cette découverte. Je l'en félicite et c'est très bien pour lui. Mais voilà, quand il y a des choses qui sont pas vraiment vraies, c'est le cas de le dire. Je préfère les remettre dans l'ordre et dans leur contexte. Donc voilà, donc soit il y a deux possibilités, soit vous aurez cette vidéo en respectant la NDA qu'il y a sur le jeu, à savoir le jeudi 24 mars à 17h. Elle est pour le moment planifiée à cette date-là. Et si d'ici quelques minutes, heures, le développeur me répond favorablement, alors je pense qu'il ne me répondra pas en fait, hein. Il y a peu de chance. Il a déjà donné une exclue à un Français, donc je vois pas pourquoi il en donnerait une seconde. Donc le mieux pour lui, c'est d'attendre demain avant de me répondre, comme ça au moins voilà, il s'engage pas. Mais si jamais c'était le cas, d'une manière positive, vous aurez dans l'après-midi, alors je ne sais pas à quelle heure, ça dépendra de quand j'ai une réponse favorable, vous l'aurez cet après-midi, donc mercredi 23 mars, à X heures. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite de l'intro initiale que j'avais tournée. Ne tenez pas compte du fait, surtout que j'ai parlé de vidéo en XXL. Ce sera finalement un let's play. Donc je vous laisse avec la suite de la première intro et surtout avec le premier épisode. Alors Planet Crafter, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Il s'agit d'un jeu de survie, surtout orienté terraformation. Voilà, on arrive sur une planète qu'il faut terraformer pour lui redonner la vie au niveau de la faune, de la flore, voilà, pouvoir réavoir de l'eau. Le jeu était vraiment bien fichu au départ. Je crois que je vous ai fait déjà deux découvertes. Et là, donc, c'est le lancement, les loulous, aujourd'hui, jeudi 24 mars à 17h, de l'Early Access, de l'accès anticipé. Donc, les devs m'ont envoyé une clé il y a déjà quelques jours. Je vous fais cette première vidéo avant la sortie de l'Early Access. Il y aura certainement aussi la deuxième qui sera faite avant. On est parti pour, je pense, 4 ou 6 épisodes, hein, suivant un peu ce que contient le jeu en termes de contenu. Comme vous pouvez le voir à l'écran d'ailleurs, il est disponible en français. Ça, c'est cool. On peut rebind les touches. Il n'y a pas de support manette. Ça, c'est pas bien grave sur ce genre de jeu. Et donc, on va faire. Alors, on va supprimer ça. Voilà. Hop, et on va faire une toute nouvelle partie. On joue en mode normal. Site d'atterrissage standard. Oui, standard. Difficulté. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a normal, détente, intense et hardcore. On va faire normal. Et non. Le nom, je ne peux pas le changer à première vue. Ok. On crée. D'accord. Et on charge la partie qu'on vient de créer, sur laquelle on n'a pas encore démarré. Alors, j'ai commencé à faire quelques réglages son, on verra au fur et à mesure ce que ça donne sur les premières minutes. Ok. Je vais passer en QWERTY parce que moi je n'ai pas rebind mes touches. Donc, on arrive. Sur. Alors, je ne sais plus. Ok. Je vais prendre. Alors, un peu d'oxygène, un peu d'eau, une ration. Ok. Ici, là, on a notre fabricateur.
Ok. Et donc on est parti. Donc ça c'est la capsule sur laquelle on a avec laquelle on est arrivé, hein. Et donc voilà, on est sur une planète plutôt désertique, avec un ciel bon qui donne pas vraiment envie. Je vais changer la sensibilité souris qui ne va pas du tout. En espérant qu'on puisse le faire. Je vais en remettre un peu parce que je suis en train de m'apercevoir. Ah ouais, c'est bien plus sympa. Donc on est parti. On va commencer à farmer des ressources. Ça, le système n'a pas changé, hein. Du fer, je vous rappelle qu'on doit gérer notre soif et notre oxygène, en plus bien sûr de notre vie. Là, on va récupérer tout ce qu'on peut. Notre glace, silicium. Alors, je suis déjà bien full. Ok, donc ce que je vais faire. On va faire ça finalement. Je vais pas prendre ça sur moi. Je vais mettre le cobalt qui ne se stack pas ici. Donc on va commencer. On va se faire. Alors il me faudrait du silicium. Un deuxième silicium. Pour faire la micro-puce de construction. Ensuite, là. Oh, ça, on va déjà le faire. Voilà. Et donc là, deux silicium, un magnésium. On va essayer de trouver ça. Ok. Alors faut que je me remette en tête un peu les crafts, hein. Enfin les. À quoi ressemblent les minerais. C'est pas évident au départ. Alors on me demande de fabriquer le sac à dos. C'est vrai qu'il y a des petits objectifs. Le sac à dos T1, il me faudrait du fer. Est-ce que j'ai de la place de ramasser du fer? Oui. Du fer, on en a là. Allez, on va se faire le sac à dos. C'est vrai que ça va bien aider. Ok, équiper le sac à dos. Impeccable. La puce de construction. Voilà. Fabriquer le réservoir d'oxygène T1 et l'équiper. Deux cobalt, un fer, un magnésium. Un fer. Un magnésium. Fer. Magnésium. Allez, on va faire les objectifs. On va prendre le petit fer qui traîne là. Direct. Ok. Fabriquer la micro-puce de construction et l'équiper. Ah. J'aurais dû. Ah, j'aurais dû faire au fur et à mesure. Est-ce que je peux la. Celle que je viens de faire, est-ce que je peux la virer? Je ne crois pas. Je vois pas comment faire. Ah, voilà, ouais. Ok. Donc, pour en construire une, il nous faut. Ben, on a tout ce qu'il faut. Ok. Fabriquer habitacle. Fabriquer porte de l'habitacle. Fabriquer forestier et éolienne. Bon. Alors. Le mode construction. J'ai plus la touche en tête. Ah, attendez, on va chercher. Parce que là, j'ai pas fait ça encore ni ça. Mais bon, pour l'instant, on nous le demande pas. Donc, on va regarder les petites touches vite. Ah bah, attendez. Il y a le principal ici. Construire, c'est Q. Alors. Habitacle, il me manque juste un de fer. La porte, il me faudra un titane. Ok. Alors, pam pam pam, c'est pas ça. On va mettre ça là. Nickel. Ensuite, on nous demande. La porte, donc là il me faut un fer, un titane, un silice. Titane. Allez, je vais reprendre de l'oxygène. Ok.
fer et titane. Là, le fer. Ça, c'est de la glace. Avertissement, plus de courant. Pas grave. À quoi ressemble le titane déjà? Ça doit être ça. Ok, nickel. Alors, on va s'orienter de ce côté. Ok, nickel. Fabriquer forest T1. Donc déjà ici, voilà, on peut reprendre notre oxygène. Alors, la foreuse établie T2. Foreuse T1. Il me faut un autre titane. Alors, titane, il y en avait. C'était pas par là, c'était par là. Voilà, il y en a un là. Alors, je vais en prendre un autre de titane là si je peux en choper deux. Alors, on est quand même très guidé là au départ, hein. Ok, donc une foreuse. Allez, je vais me développer plutôt de ce côté si je peux. Ouais. On va mettre les choses. On est comme ça, comme ça. On va mettre les choses ici. Allez, c'est parti. Foreuse. Ensuite, il nous faut une éolienne. Voilà. Alors pour ça, il n'y a pas besoin de fondation, on va dire. Donc on va refaire un bâtiment pour s'agrandir un peu parce que là on est un petit peu petit quand même. Donc il me faut deux de fer. Alors du fer. Toi je te récupère aussi. Toi. Voilà. Nickel. Donc on nous demande de craft. Et on va le mettre ici, l'écran de terraformation. Donc là, il me faut un autre fer et un cobalt. Alors, cobalt ici. Fer ici. Impeccable. Ah, je peux pas le mettre là. Il est à l'envers, c'est pour ça. Parfait. Fabriquer écran plan. Écran plan, pardon. Et alors, il me manque encore un fer. Donc les écrans, on va les mettre là. Alors celui-là aussi est... n'est pas dans le bon sens. Ça se met pas sur... Ah, ça se met pas sur... Alors attendez, on va prendre deux de fer de plus et on va se faire une table. On va le poser sur la table, ça se met pas sur un mur. Ça c'est pas un problème. Voilà. On va mettre ceci ici. Ouais, plutôt comme ça, hein. Voilà. Il y a un bug de son de la marche. Hein. Qui existait déjà. Hein. Ce bug, c'est pas nouveau. Dommage que ça y soit encore. Nickel. Afficher l'interface. Très bien. Donc ensuite, fabriquer du chauffage. Fabriquer un VG-tube. Alors je pense qu'on va essayer. De fer. Alors, il me faut 4 de fer. Et combien j'ai de titane? J'en ai qu'un. Il me faudra un titane. Ouais, niveau d'hydratation bas. J'ai encore un peu de marge, ça va. Hein. Titane, fer. J'en trouve pas. Je vais aller reprendre de l'oxygène.
On va prendre une bouteille d'eau au cas où. Voilà. Voilà, il faut ceci. 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 Il manque juste un titane. Parfait. Alors, on retourne par là-bas. On va se faire une aile à notre bâtisse. Si on peut, bien sûr. Je sais pas trop les limites encore de la construction, hein, donc... On va voir ce que ça donne. Impeccable. Donc ici, on va se faire les cultures. Donc il me refaut un de fer et... Chauffage T1, végétube T1. Chauffage. Et dans l'autre aile, d'accord, il faut de l'iridium, du fer, du silicium. Et un de fer. Donc il me refaut, grosso modo, du fer. Alors je sais pas pourquoi il me manque autant de vie, par contre. Je sais plus si on a démarré comme ça, mais... Ok, on a dit ça. C'est bon. Et ça, c'est silicium iridium. Alors, l'iridium, je pense qu'il va falloir que j'aille le chercher. Ah, ici, on a une caisse. Alors j'ai pas le silice, hein. Je vais juste reprendre vite fait de l'oxygène. Ok. C'est les silices, c'est les petites pointes là. C'est ça. Non, ça c'est le magnésium. Mince. J'en vois pas. Voilà. Ok. Je vais faire la deuxième aile où on va mettre le chauffage. Donc une aile avec chauffage, une aile avec les cultures, on va dire. Enfin, les... Ouais, c'est les cultures. Hein. Donc, on fait ça, on le prépare en avance. Ouais, je l'ai bien mis, c'est bon. Et donc ici... Les câbles. On a un souci d'énergie. Donc on va se remettre une éolienne. Tac. Voilà. Alors justement, oxygène, on produit rien du tout. Pression. Et là-dessus... Ok, c'est là qu'on va débloquer les plans. Hein. Fabriquer chauffage T1. Donc va vraiment falloir que j'aille chercher l'iridium. On va récupérer nos ressources ici. En tout cas ce qu'on peut. Et on va craft un coffre. On va commencer à mettre du stockage dans notre base. Est-ce que je peux au moins... Ouais je peux. Un stockage qui va venir ici. Voilà, ici donc on va mettre la nourriture, l'oxygène et la boisson. Impeccable. Je peux mettre ça aussi. Et est-ce que j'ai le quoi en refaire un autre? Oui. Et ici voilà, on va mettre ceci. Donc, je vais prendre... il me faudrait un... Je peux pas craft en fait ici. Ah ah.
Alors attendez, c'est pas grave, on va aller là-bas. J'ai pas le petit atelier encore. T1. Bon, bah c'est pas grave. Donc on va se prendre une bouteille d'eau, une bouteille d'oxygène et les deux trucs d'oxygène. Ça. Donc, je veux ceci et ceci. Voilà. Et on est parti pour aller explorer le premier POI. Hein. Il n'a pas changé de place, il est toujours là-haut. Alors d'ailleurs j'avais fait, ma technique c'était de faire un titane. Faudrait vite que je les trouve sur la route ou que je reparte en arrière, je les prépare. C'était de mettre à mi-chemin un module pour respirer. Parce qu'on ne peut pas respirer dans les épaves, hein, donc il faut, faut gérer par nous-mêmes. Donc là en fait l'idée c'est de craft juste un petit carré. Ah oui, il me faut la porte aussi par contre. Il me faut un autre fer, un titane et un silice. Titane, silice. Donc là en fait on fait ça. Si je peux le poser. On fait ça. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai pas le fer. J'ai mal compté. Bah my bad, je me suis très mal pris. Donc voilà, en fait l'idée c'était ça, hein. Et voilà. C'est là-dedans on peut respirer. Mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai mal calculé, je m'y suis pris trop tard. Ça, ça se prépare à l'avance en fait, avant de partir. Et malheureusement, je m'y suis pris. Parce que j'aurais voulu le mettre ici en fait. En plus, j'ai pas la lampe torche. Ouais, c'est. C'est vraiment pas bon ce que je suis en train de faire, hein, les loulous. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Donc on va repartir. Je fais nimp. J'ai pas le réservoir d'oxygène T2. J'ai pas la lampe. Donc on n'y voit rien. Enfin surtout pour vous. Je vais aller un peu trop vite. Enfin, j'ai cru que c'était une ressource ça. J'ai perdu de la vie pour rien. Ok. Là, on va prendre le coffre là. Ça c'est bien du coup. Je l'avais pas vu aller. Ouh. Je l'avais pas vu à l'aller. Et je l'ai pas pu le vider. Alors il y a des nouveaux items que je connais pas. On va regarder ce que c'est quand on sera rentré. C'est vrai, il faut vraiment pas traîner, hein. Et j'espère surtout trouver l'iridium en fait. C'est pour ça que je vais aller voir le POI parce que pour l'instant je peux pas faire le chauffage. L'iridium de mémoire on le trouve pas dans la zone de départ. La caisse là je l'ai faite. Allez, allez, allez. Donc on a notre indice de terraformation hein, qui a commencé grâce à bah, tout ce qu'on fait et surtout grâce à ceci. Hein. Donc indice de terraformation qui va être très important. Donc là on a trouvé du tissu. Ça c'est plutôt cool. On a trouvé un plan de micropuce. Donc ça, ça va me permettre de déverrouiller l'oxygène T2. On a trouvé un super alliage. Ça je connaissais pas. Et des graines d'aubergine.
Ok, donc ça va pas là-dedans. Et du coup. Alors, c'est des bottes d'agilité que j'ai débloquées. Je pensais que j'aurais débloqué ça. Elles sont où? Il y a énormément de craft qui a été rajouté. Ça, c'est cool. Alors, je vois pas où il est, le craft. Alors, attendez. Je vais aller voir sur la table de craft. Des bottes d'agilité. Je me trompe. Je vois pas. Donc je vais me faire ceci. Donc il me faut silicium, magnésium, plus. Alors deux magnésium, deux silicium. Silicium. Deux magnésium, deux silicium. Alors je dois les avoir. Hein, dans mon coffre. Alors on a dit. Deux magnésium. De silice. Alors j'ai pas de magnésium en fait. Ok. Alors magnésium c'est ça je crois. Ok, les petits cristaux. Donc il me faut ceci que j'équipe. Et il me faut marteau. Micropuce de déconstruction. Bah j'ai pas de... J'en avais bien ramassé deux pourtant. Allez. Ok, je pense que je clique mal en fait. Et ça, est-ce que je peux le déconstruire? C'est une bonne question, ça. Plus de construction requise. Équipez cette puce pour pouvoir démanteler des structures avec votre outil multifonction nécessaire pour recycler les débris. Je pense pas que je puisse démonter ça, du coup. D'accord. Et donc là... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais y arriver, hein. Ok, la torche, c'est F. Il va... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire de l'eau? Donc normalement, de mémoire, c'était de la glace. Par quelle quantité? Parce qu'il faut que je me refasse de l'eau. Et l'oxygène, c'est 2 cobalt. Je veux du cobalt. On va looter ça aussi. Alors, attendez. On va manger ça. Ça, je sais toujours pas le craft, hein. Donc, pour l'instant, je fais avec ce que je trouve. Et je peux pas tout prendre. Ça marche. Il va falloir que je refasse un coffre. Du coup, est-ce que je peux faire une bouteille d'oxygène? Non. Je vais en prendre qu'une. Pour l'instant, on va faire comme ça. Ok. C'est parti. Allez, cette fois, on y retourne là-haut. On a une bouteille d'eau, deux bouteilles d'oxygène. La puce de déconstruction si on doit casser quelque chose.
Et on va voir un peu ce qu'on peut trouver, hein, les POI très importants pour trouver des nouvelles ressources. Et ces potes d'agilité, hein, j'ai pas trop compris. Comment on va les craft. Alors on remarque aussi, on constate hein, que je perds un peu de vie hein, régulièrement. C'est pour ça que du coup qu'il y a cette espèce de ces poches de nourriture pour se remettre bien. Alors l'indice de terraformation qui démarre tout doucement hein, pour le moment. Ok, ici y a rien. Donc là on avait tout pris. Là je peux pas passer. Il me faut m'équiper de ceci. Et comment on fait? Alors attendez, c'est embêtant parce que je sais pas comment on fait. Je suis en train de perdre un temps. Je crois que j'aurai pas le temps de retourner dans la... Si, j'aurai le temps. Comment on utilise le truc pour déconstruire? C'est limite, hein. Déconstruction. Équipez-vous cette puce pour pouvoir démanteler des structures avec votre outil multifonction. Ouais, bah ouais. Normalement, pour moi, c'est clic gauche. Ah, j'ai... D'accord, avec la molette souris, on change les fonctions. Ok. Ok. Donc, on y retourne. Celle-là, est-ce que je peux le casser déjà? Oui. Micropuce. Ok, donc on récupère des ressources en faisant ça. Alors il y a des petits coffres maintenant. Il va falloir vraiment regarder partout. Hein. Faire ceci, ça, ça, on va se remettre à fond partout. Alors je vais clairement pas pouvoir tout ramener, il y a beaucoup trop de choses. Par contre je vais commencer quand même à déconstruire le fer qui tombe par terre. Ok, j'ai du fer qui se balade. Ah ouais, graines de l'Irma. Ok, bon. Clairement. On a du taf sur ce POI. Donc quand on est en mode déconstruction, on peut pas loot. Il faut penser à se remettre en truc neutre. C'est un petit peu galère, mais bon. Oui, je sais. Ok. On est reparti. Là, on avait tout loot, normalement. Donc, j'ai pas trouvé d'iridium. Je reviens avec beaucoup trop de ressources, en fait. Je commence à me dire que les ressources basiques, faut pas que je les prenne dans les coffres. Faut vraiment que je prenne ce qui est... entre guillemets original, qu'on ne trouve pas par terre autour de la base.
Sinon, on va pas s'en sortir. Là, je fais quand même pas mal d'allers-retours pour pas grand-chose. Alors, du coup, ici, on a trouvé des puces. Alors, moi, j'aimerais bien débloquer ça, hein, mais... Parce que là, ok. Vitesse de minage. Et boussole. On va refaire un coffre. Ah oui, mais pour faire ça, il faut que... Tac, tac. Donc, on va mettre... Oh, ah bah j'ai mon iridium, ça y est. On va pouvoir faire le truc de chauffage. Et là, notre objectif, c'est d'atteindre 175 000 TI pour avoir le ciel bleu. Et bien, on va y travailler. Oui. Ration, j'en ai peut-être pas besoin. Voilà, on va faire ça. Faudrait peut-être que je mette ma graine ici, tant qu'à faire. Voilà. Oh, il se passe quelque chose dehors. Ah oui, tempête de sable. Ou tempête tout court, hein, mais... Ouf. Ok, plus de météorites. Alors, je vais aller voir ce que ça loot. Waouh, si ça loot quelque chose, hein. Je ne sais pas encore. Titane. Waouh, ouais quand même. Je me demande si on peut se faire détruire la base. Ça m'inquiète un peu cette histoire de météorite là. Oh, ça passe pas loin, hein. Que ça passe pas loin. Je me demande si on peut en mourir en fait. J'ai plus de jus du coup. Dans la base. Les éoliennes sont en rade. Oh, regardez celle-là. Oh, elle va percuter. Oh. Elle a tapé. Ok, j'ai de la caillasse dans ma base. Alors elle a pas détruit hein, mais ok, c'est terminé. Alors par contre, j'ai mes éoliennes qui ne tournent plus. Alors je suis censé faire quoi là? Parce que du coup, j'ai plus rien qui fonctionne. J'espère aussi que ça dépop. Parce que. Ok, j'ai plus accès sinon à. Alors attendez. Là, je suis très embêté. Ah, ça y est, ça despawn. Oui, non, parce que je veux pas déconstruire l'habitacle. On est bien d'accord. Donc. Je vais mettre ça ici. Alors par contre, je suis très inquiet pour mes éoliennes. Mes éoliennes ne bougent plus du tout. Même ça, ça a plus l'air de fonctionner. Ah pourquoi par contre? Faut que je les casse et que je les refasse?
Ou c'est juste parce qu'il n'y a plus de vent? Voilà, elle tourne toujours pas. Hein. J'ai voulu déconstruire, les reconstruire. Je suis un petit peu dans la panade, les loulous. Clairement. c'est cool, on n'a pas d'énergie. Donc là, c'est pareil. Ouais, je peux plus rien voir, en fait. J'ai strictement plus rien qui marche. Donc là, ça génère de l'oxygène. Ça, il va falloir que je crafte ça aussi. C'est vrai que mon établi, en fait, c'est ça, hein. Fer et silicium. On va mettre ça. On va mettre ça où? On va mettre ça là, tiens. C'est ici que je vais pouvoir faire. D'accord. Botte d'agilité. Micro plus vitesse de minage. Réservoir oxygène T2. Donc il faut le T1. Silice, cobalt, titane, magnésium. Un silice, deux magnésium. Il faut que je déséquipe ça. Et je peux faire du coup le T2. On passe à 200. Très bien. Sac à dos. Ça, j'ai pas découvert. Exosquelette. Augmente la taille de l'équipement. Ah, c'est intéressant ça. Titane, silice, magnésium. Titane. Ah, j'ai pas. Ok. Donc il manque du silice et du magnésium. Par contre, j'ai pas réglé mon problème de... Magnésium. Fer. Silice. J'ai pas réglé mon problème en fait de... Bah d'énergie. J'ai mes éoliennes, elles marchent plus. Je sais pas pourquoi. Là je comprends pas. Ok, donc là je peux mettre 4 puces supplémentaires. Du coup je peux faire ceci et ceci. Alors il me faut 2 tissus, 2 alus. Ok, et pour la vitesse de minage, alu, silice, magnésium. Alu, silice, magnésium. Bon, là, il me faut tout. Alu, silice, magnésium. Alu et magnésium. Il manque juste l'aluminium. Ah, l'aluminium, je suis pas sûr qu'on le trouve comme ça, en fait. Un peu les stocks. De certaines choses. Voilà, on va remplir les sacs. C'est le cas de le dire. Par contre, je suis bien embêté pour mes crafts, hein, mais bon. Alors. Je vais mettre le fer, le titane.
On va essayer de mettre les mêmes ressources dans le même coffre. Voilà. Dans celui-là. Attendez. Voilà. On va mettre la peau. On va mettre ceci. Là, j'ai enlevé le titane. Hop. Nickel. Alors, on peut mettre du coup ça et ça. Et il me manquera, juste ceci ou ceci. Je pense que la boussole, j'en ai pas forcément besoin. Et donc là, il me manque un aluminium. Alors, il nous reste que 2-3 minutes. Il faut que j'arrive à trouver le problème que j'ai avec mes éoliennes. Parce que là, mes éoliennes ne tournent pas. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, si j'en replace... vraiment des neuves. Ok. Bah écoutez, là ça fonctionne. Elles se sont toutes mises en route d'un coup. Fer et titane. Parce que j'ai un titane sous la main. Histoire de mettre une deuxième foreuse. Non. Très bien. Eh bien écoutez les loulous, on va se laisser là-dessus pour ce premier épisode. Je pense que je vais tourner le suivant à la suite. On va retourner au POI hein, pour farmer des choses. Là ça a l'air de bien fax. Ah, oh, nouveau plan reçu, sac à dos T2. Oui, parce que bah du coup on est en train de passer les conditions de TI demandées. Hein. Donc en fait au fur et à mesure qu'on débloque des choses. D'accord. Ça c'est plutôt cool. Fenêtre pour compartiment de vie. Ah, j'avais pas vu ça. Faudra du cobalt et du fer. Ça, ça va être cool aussi. Pour se faire un joli habitat après. Ok, donc je vais vous laisser là-dessus. Vous me direz ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. Pour l'instant, le jeu est toujours aussi bon. Et surtout, bah, il s'est bien embelli et complété hein, depuis la dernière vidéo que je vous avais faite. Donc je vais vous laisser là-dessus les loulous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.